Un petit tour en motobiclette. Un petit tour en motobiclette, là. Et avec des petits gants en 3DO, là. Hop. C'est toujours la même chose. D'abord le gant gauche, et puis le gant droit. Oh, la grosse bébête. Mémère est sortie. Ah, je sors grand-mère aujourd'hui. Bon bah il recommence à faire un petit peu bon là. Normalement il fait dans les 8 degrés, alors c'est le moment d'aller faire un petit tour. J'ai ma chaîne qui est un petit peu rouillée. J'espère que ça va pas me péter dans les pattes. Donc peut-être que le fait de rouler ça va la dérouiller un petit peu. Et puis bah si ça marche pas faudra la nettoyer. Ça fait plaisir. Après l'épisode neigeux de ouf, où on a eu 5-10 cm. Le retour du soleil. Et là je suis à 40 km/h, j'ai les jambes bien fraîches. Cool. Pourquoi tiens pas? Il est où l'autre bout? Il est là. Voilà. Hop. Voilà, là ça tient. Ça m'étrangle un peu, mais ça tient. J'ai toujours la flip quand je fais mon premier tournant à gauche parce que j'ai toujours peur d'oublier ma béquille. J'ai pas envie de faire du coco, tu vois. Bon, est-ce qu'il y a marqué interdit aux motocycles ici? Non, c'est pas marqué, alors j'y vais. Ouais. Alors, c'est pas une bonne idée, hein. C'est un peu dégueu quand même. C'est pas une super idée, c'est pas la meilleure idée que tu as eue dans ta vie, Zabouel, hein. C'est pas une très bonne idée. Je pense que je vais finir en glissade dans le champ dans pas longtemps. En plus, le vent il me pousse bien vers le champ. On va essayer un peu de gravier là. T'avais juste à te dire, je fais un petit tour sur la route, tranquillou, et non, faut que tu ailles dans les graviers de crottes. Il y a les tracteurs crottes qui passent et qui font des crottes. Ah. Je suis en glissade permanente. Ça sent bon. Le bon purin. Le bon purin de l'Oise. Ras-le-bol de l'ordinateur. J'ai envie d'être boulanger maintenant. Non, c'est pas vrai. Faut se lever trop tôt. Je sais pas, tondeur de pelouse. Hein. Un truc où faut pas réfléchir, quoi. Neymar, de réfléchir. Je sais plus où ça mène par là, mais je vais tourner un peu par là. Il me semble que la route, elle est sympa. On va aller à Saint-Eustoire, hein, l'idiot. Peut-être qu'on va voir la Dame Blanche, allez savoir. Faut faire gaffe à la réaccélération, faut aller tout doux. Je vois qu'ici aussi c'est une décharge à ciel ouvert, ça fait plaisir. Ah, on est mal. On va aller se promener à Saint-Eustoie, ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'il y a des maisons à vendre ici? On ne sait jamais, on peut tomber sur la bonne affaire. Ah bon, je me doutais qu'il y aurait un chien, il y a toujours un chien quelque part. Je ne comprendrai jamais les chiens. Ils aboient et remuent la queue. Alors on sait pas s'ils veulent jouer ou s'ils veulent te bouffer. En tout cas, moi, mon chien, il aimait pas les motos. Coucou poulet chien. Je suis un gentil. Il faut pas lui dire que je transporte des organes de chien dans mon top case. Sinon, il va me bouffer. Sympa, la route. J'ai bien fait de venir ici.
magnifique. On va rouler un peu visière ouverte, autant profiter du paysage à fond. Noirvaux, 50 km/h, c'est un charmant village, moi j'aime beaucoup. Pas beaucoup de maisons, c'est joli. Regardez-moi ces ruines là, si ça pas du cachet. Hein, ceux qui aiment faire du urbex, bon là c'est plutôt du campagnebex. Oh, elle est hantée cette maison, enfin elle a brûlé surtout. Elle a surtout brûlé j'ai l'impression. Hein. Wow, je dois être en première là, c'est violent. Ah ouais, c'est tout cabossé, tout pété là. Petite ferme sympa. Moi je dirais la logique c'est plutôt de partir à gauche. La logique. Mais bon. Le problème c'est que c'est la logique zabouélienne, elle est pas toujours. Oh excellent, il y a une soucoupe volante là. On sait pas trop ce que c'est en fait. Mais les gens ils sortent pas, c'est un samedi et quoi, il y a un truc je suis pas au courant. Il y a des radiations ou quoi. Y a personne dans les rues, j'ai croisé une voiture. C'est la fin du monde. Joli. Sympa les petites plaines de l'Oise là. Breteuil, je connais, c'est fou ça. Le mec il sort la fesse alors qu'il est à 10 km/h quoi. Lol, imposteur de course. Attention en sortie de pont. Oh oh. Ça tourne bien. Salut les petits corbeaux. Je me serais bien arrêté pour vous montrer la vue, mais il y a une voiture un peu casse-couille qui me suit. Alors est-ce qu'il y a des canards là-dedans? Je ne pense pas, mais je vais pas rester là par contre parce que c'est un peu dangereux. Je vais me faire écraser.
joli bon oeil, hein, joli. Alors est-ce que c'est là le centre équestre? Non, là c'est fléchi. Réfléchis, sans moins de réfléchir. Oh là là, ça pousse vachement le vent là. Ça pousse beaucoup, beaucoup. Donc on va pas aller trop trop vite. Mais c'est une tempête ou quoi là? Donc là par exemple, si le vent me fait un gros coup et me met en face de l'autre bagnole, bah je suis cuit. Cuit, cuit. Je vais m'envoler, je vais faire un salto avant et cuit, cuit, cuit. Je lutte contre le vent en sortant le genou. Et en sortant la fesse. Ah, on met un peu de vitesse. Oh, oh. Je crois que c'est la vol sans tréquesse, mais bon, j'ai plus trop envie là. D'un seul coup, d'un seul, là, j'ai plutôt envie de rentrer mes dents. Ardivillier, foudroué. Alors là, c'est cool dans cette position, j'ai vraiment aucun vent dans la tronche. Mais bon, après, pour contrôler la moto, c'est un peu moins classe quand même. Bon, je crois que ça lui fait un bon petit tour la moto là. Cynthia voulait du chocolat. Elle m'en a fait tout un blabla. Doucement, jolie jumper. Elle est un peu foufou en ce moment. Yo, 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 yo. Bah c'était pas mal ce petit tour. C'était sympathique. Moi j'aime bien. Hop, on va faire ça. Un petit lavage, ça lui ferait pas de mal.